Et salut à tous, c'est Galax, bien aujourd'hui pour une nouvelle découverte sur NBA 2K24. J'espère que vous allez bien, le jeu sort aujourd'hui le 8 septembre. Nous sommes sur PS5, ça sort aussi sur Xbox Series, sur PC, PS4, Xbox One, Switch. Il y en a pour tout le monde. Comme chaque mois, c'est le retour du concours Instant Gaming, notre partenaire. Je vous laisse le lien en description, également en commentaire épinglé. Vous pouvez tenter votre chance pour remporter le jeu de votre choix. Cliquez simplement sur le bouton participer et choisissez votre jeu. Donc si jamais je gagne, je vous assure, je donne le jeu. Si vous ne connaissez pas Instant Gaming, les amis, c'est un site qui propose des codes de jeu, des clés de jeu moins chères sur PC ou même sur console. Retrouvez par exemple Starfield, NBA 2K24, Sea of Stars, Ratchet & Clank, Armored Core 6, j'en passe des meilleurs. Faites-vous plaisir sur console et PC. On découvre ensemble le mode Ma Carrière, comme depuis 2 ans, hein, c'est un mode de jeu qui vous intéresse beaucoup en général parce qu'il y a un semblant d'histoire, de scénario, on suit la carrière de notre propre joueur. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors oui, vous le savez, dans cette nouvelle édition de NBA 2K, c'est Kobe Bryant, le Black Mamba bien sûr, qui est sur la jaquette du jeu en hommage et c'est bien normal. On retrouve donc son mode de jeu pour revivre les meilleurs moments, ou en tout cas certaines de ses performances, dans le mode Mamba Moments. Mais là aujourd'hui, découverte du mode Ma Carrière. Allez, c'est parti, on va créer notre perso, vous savez comment ça marche. Voyons voir ce que ça donne. Je remercie Touquet évidemment qui m'a envoyé le jeu aujourd'hui même. Alors habituellement, j'ai l'occasion de le faire un petit peu avant la sortie. Là, ce ne fut pas le cas. J'ai reçu le jeu le jour même, c'est pas grave. Hein. Allez, on crée notre perso. Ça fera moins de vues, c'est tout. Je me demande combien de persos on a créé, parce que mine de rien, ça fait quand même quelques vidéos sur, sur des modes carrière de jeux de sport. Hein. Donc Marc, bien sûr. Le nom de famille, alors je mets pas le vrai parce que sinon je risque d'avoir des ennuis. Quelques abonnés vont venir sonner chez moi et ça risque de me mettre un petit peu hors de moi, si je puis dire. Parce que je déteste qu'on me dérange, moi je suis un ours mal léché. Voilà, très bien. J'aime ma tranquillité, je suis pas une star et c'est pour ça que je ne veux pas l'être. Eh bien voilà, on part sur Luka Doncic, ça me paraît bien. Meneur offensif, scoreur exceptionnel sur les trois distances, peut créer des occasions pour lui et ses coéquipiers. Allez, comme ça au moins ça m'évite de réfléchir à quoi mettre comme jauge. On est donc à 2m01, 104 kg, 2m03 d'envergure et poste milieu. Ça me change parce qu'il me semble que l'an passé j'avais choisi le poste, les amis, de d'ailier, si je dis pas de bêtises. Donc on est parti, on découvre cette nouvelle carrière 2024. Notre modèle de perso issu de Luka Doncic. Il aura les mêmes stats. Menace, triple niveau, altruiste. Alors, on peut le tester, le joueur, apparemment. On peut le modifier. Alors, bizarrement, je ne peux pas choisir son physique, ni même son visage. Enfin, si, son visage, on l'a choisi de base, il me semble. Mais juste le modèle de visage. Après, j'aimerais bien avoir un éditeur plus poussé, etc. Choisir les muscles et compagnie. Sûrement qu'on pourra le faire après, quand on sera effectivement dans le hub du jeu, du mode Ma Carrière. Alors, là, on choisit l'équipe, simplement. Donc, j'irai bien chez les Lakers. Mais je me dis que si on peut jouer avec notre Victor français, pourquoi pas. Petit Victor. Non, oh, il est immense. C'est un géant. Oh, la bonne ambiance. Ah d'accord, en fait, ça a l'air un Malibu. Ça a l'air pas mal, tout ça. Bon, je vais passer, je pense, les amis, là. La présentation, parce qu'en plus, il y a une musique en fond. Je peux pas vous la laisser, hein, c'est terrible. Ils ont du mal, hein, chez Touquet, hein. Et tu me diras, dans beaucoup de jeux de sport, on a toujours une bande-son, c'est normal, hein, pour mettre l'ambiance. Même en retirant les musiques dans les options, je suis embêté. Donc c'est bon, je peux la passer heureusement. Ce qui vous intéresse, je pense, c'est le début de l'histoire. D'accord, on est lancé directement dans la ville. Alors, commencez à jouer en ville, ou alors commencez votre carrière directement en NBA. Je pense qu'on va partir directement vers les choses sérieuses. Alors, c'est un mode multi, hein, c'est pour ça qu'on a d'autres joueurs, évidemment, avec nous. Salut les gars. Allez, donc on va aller à la première mission. Quête principale, histoire en marche. Changer une stratégie, d'accord. Bon, je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais nous allons directement à la salle. Direction la salle pour commencer une carrière NBA tant attendue. Goes MP, the most hyped prospect since LeBron James. Can this third generation NBA athlete and 19-year-old superstar live up to the hype? The journey begins tonight as he plays his first NBA. A little deja vu in here. No, right.
It's not every day you see his son playing his first NBA game. I know I shouldn't be focused on this, but I still can't believe that Grandpa's not here right now. It just doesn't feel right. It's okay to feel that way. I miss him too, but you know, Grandpa would kick you behind if he knew you'd let him distract you like that. You gotta put that on the back burner, huh? Yeah, you're right. Now listen to me, there are gonna be a lot of people in the here tonight. But you and I both know what you've been working toward all these years. Greatness. I don't care about the hype. Most of the people talking, they don't even believe what they say half the time. But me and you believe. Yeah, what do we believe? That I could be one of the best players to ever play this game. Yes, sir. That starts tonight. J'aime bien le background. Il y a un petit côté Alex Hunter, tu vois, avec son grand-père, son père et tout. Objectif donc, faites vos débuts en NBA dans la peau du jeune espoir le plus attendu depuis LeBron James, rien que ça. Et on a deux trucs facultatifs, a fini son premier match en 25, d'accord, donc c'est par rapport à LeBron. Ah oui. Alors je pense qu'on pourrait éventuellement croiser, peut-être que je me trompe après, hein, mais je pense qu'on peut croiser, vu qu'on est dans la même équipe, notre ami Victor. Où est-ce que tu es? C'est pas lui, non. Bienvenue à Sunset Park, ok, on gagne des points GOAT. Faut que j'aille où, moi, équipementier ou le coach? Les deux, d'accord. Ça me va. Je suppose que c'est là-dessus, donc, faut se mettre? Non, ça n'a rien à voir? Comment je lui cause? Eh oh. Hey, MP, what's hey, up? What's up? Check out these free kicks that we're hooking you up with. Ah, on a le choix de la marque, ok, Converse, Jordan, New Balance. Bonus actif, alors voyons voir. Basket de match Adidas, campagne Adidas. Bon, c'est pareil pour les 4 apparemment, mais 2000, d'accord, c'est pareil. Si je suis élu rookie de l'année, ah bah je veux. Si MP, donc moi, bat le record pour un rookie de contre, s'il remporte les finales NBA, ah bah écoutez, direct. Hein. Adidas, bien sûr. Je signe. Ah, il faut que je maintiens. Tu pourrais le dire. On behalf of Adidas, I'd just like to wish you good luck in your first NBA game. Not that you need it or anything. We're all real excited to see what you do out there. Eh bien, c'est marrant, mais je préfère ce début. Je préfère ce début d'histoire que les autres. Hey, ça change un peu. Let's talk for a minute. Get me ready for this since I was 6 years old, so I'm ready. Okay, so that's why they say what they say about you, huh? Can't miss. A legend at 19, the next GOAT. Yep, keep going. Look, just don't try to prove it all at once, right? Look, you got the all-NBA upside, clearly. So, you only need to show flashes right now. Coach, I'm trying to show my full potential. That's the competitor's mentality, and I get that. But just remember that it's a long process, MP. As long as you tap into what makes you great, we're all good. No one is expecting a fully formed MVP on day one. Loud and clear, coach. Great. So, go out there and have a little fun. Hey, you know I will. Et là, clairement, c'est comme si on était un petit peu, tu vois, le Pogacar du vélo, le Alcaraz du tennis. C'est vachement bien. Prouvez que vous êtes un talent générationnel en passant en mode GOAT. Puis alors, c'est vrai que maintenant tout le monde dit GOAT par-ci, GOAT par-là. Terminer les objectifs de match pour obtenir d'importants bonus d'attributs. D'accord. Réussir 4 paniers à 3 points. Oh, sans prendre de mauvais tirs. Eh bien, bonne chance. Plus vous activerez le mode GOAT, plus vous débloquerez de puissantes aptitudes. Ouais, en fait ça devient un RPG. De nouveaux bonus seront disponibles à chaque niveau. Repoussez vos limites physiques et vos attributs pour laisser une trace indélébile dans l'histoire de la NBA et dans son livre des records. Ouais, donc il y a vraiment des compétences. Grand saut, tenter 3 dunks. Condition, d'accord. Tenter 4 tirs au poste. Les dunks. Allez, je prends ça. On a une deuxième compétence. Ah oui, finition, tir organisation, défense rebond. D'accord. Poser 4 bons écrans, 3 tirs ou passes décisives, je vois. On va plutôt prendre dans tir. 4 tirs à 3 points. Allez tenter, bah ça je peux. Allez tenter, les mettre c'est autre chose, mais les tenter. Ok, donc il y a les compétences du GOAT. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Alors le jeu est joli. En match, il me semble, j'ai fait un petit match de mon côté avant de commencer cette vidéo aujourd'hui. Match donc rapide. Et le jeu en match est en 60 images secondes. Là, j'ai l'impression que dans le hub, on est en 30. Hein. Moment GOAT.
Ok. Dans NBA 2K24, vous pouvez devenir le GOAT en réalisant des moments GOAT. Oui, on a compris. Peut-être des sélections All-Star, des titres et des records battus. D'accord, d'accord. Bon, on y va. Pas plus de temps. Jour de match. Allez, on voit. Mets-toi en tenue. Et sur le parquet. Well, tonight is the night. It's MP's NBA debut. The home fans very excited to see their potential franchise player in his very first game. Will MP be the next superstar in the league? We get our first peek tonight. Let's hear it for you. Quelle ambiance! Le jeu est magnifique en tout cas. C'est vrai que NBA 2K, souvent on dit que c'est la meilleure simulation de sport. Ah, piège vu juste derrière, attention, l'entrée peut-être, mesdames, messieurs, de notre petit Français Victor. Number one, les gars, number one. Mais on arrive. Allez, écoutez, on va pas assister non plus à l'entrée de tous les joueurs, faut pas déconner. Dallas Mavericks versus les Spurs de San Antonio. Oh, en tout cas, c'est beau, hein. C'est beau, l'ambiance est folle. On y est vraiment. Et donc, normalement, nous avons, mesdames et messieurs, les matchs en 60 images secondes, ce qui n'était pas le cas dans la version 2023, qui était, il me semble bien, en 30 FPS. Allez, c'est parti, moi je suis derrière. Oh, directement, on passe le ballon. C'est mignon. Tiens, allez, hop. La bonne passe. Je tente 3 points tout de suite. Un peu court. Attention, ça repart de l'autre côté. Bien sûr, fallait que je fasse une première connerie. Alors, faut que je me rappelle comment on joue. Parce que je rappelle que je joue qu'une fois par an, bien sûr. Ok. C'est rentré. Eh bien oui, 3 points pour les Mavericks. Allez, on avance maintenant. Alors, pour les gestes techniques, voilà, c'est comme ça. Hop là là, on se fait plaisir. Tu m'as vu? C'est parce que je voulais, faut que je bouge. La petite passe, continue, enchaîne. Oh, ça aurait pu être une passe D. Ok, bien joué. Bon mouvement. Alors, il me semble que ouais, les petits gestes techniques, les dribbles qu'on peut faire, c'est avec le stick droit. Moi, j'ai toujours tendance, tu vois, à tirer avec les boutons. Hein. C'est une erreur, sûrement. Ça rentre pas, c'est pour moi. Réception. J'ai pris le rebond. Tentative. Allez, faut que ça rentre. Ah, c'était pas loin. Ça allait un peu mieux, mais tu vois, il y a une petite jauge verte, il me semble. Au sommet de la jauge. Là, il faut que je surveille. Hein. Il faut que je surveille de l'autre côté. Ça rentre pas magnifique. On avance. Il me semble qu'il a tapé dans les mains. Maintenant. Oui, premier panier. Ça y est, je suis tellement nul. Je suis tellement nul, apparemment, mon nombre de fans qui augmente. C'est bon, ça. Ah bah, attendez, c'est Luka Doncic en plus. Le modèle qu'on a choisi juste avant. Alors, on essaye en défense de rester bien au contact, mettre la pression. Rupture défensive. Vous le voyez, on a donc la note actuellement de notre joueur. Pour l'instant, note de C, mais après c'est que le début, hein. Forcément on vient d'arriver. Faut pas déconner, je tente un coup, vas-y. Oh, ça aurait été bon. Il prend le shoot, et ça rentre. On a combien actuellement? On a 6 à 5. Pour les Spurs, on est devant. Irving. C'est comment déjà? Oui, c'est L2 il me semble. Allez, Doncic qui va claquer le dunk. Attends, est-ce que c'est bien Luka Doncic? Il me semble que c'est lui. Allez, Galax versus Doncic. On tente de passer, c'est un peu compliqué. Allez, il tente 2-3 points peut-être, oui. Oh, c'était bien donné pourtant, hein, dommage. Victor qui n'a pas pu récupérer. Qui n'a pas pu intercepter. Ça rentre pas, très bien. Allez, au loin. On y va maintenant. On dépasse le dunk, peut-être, vas-y. Non. Le tir est un peu forcé, c'est vrai. On passe en C-. Notre match est cataclysmique. Un peu comme Mbappé l'autre jour.
Allez. La faute en plus et ça rentre. Aïe aïe aïe. 9 à 6 pour les Mavericks. Là on est très mauvais. J'ai prévenu hein, les gars. Je suis pas bon au jeu de basket. Et alors ça remonte depuis ma tendre enfance. Je jouais beaucoup pour info à NBA 2K2, il me semble, sur Dreamcast. Genre c'est le jeu de basket que j'ai le plus poncé quand j'étais petit, mais alors j'ai toujours eu un niveau pitoyable. Et je ne sais pas pourquoi le basket ça me réussit pas. Parce que c'est un sport pour moi un peu plus technique, tu vois, par exemple que le football, tu vois, qu'un FIFA en l'occurrence. Allez, allez, tente le coup. Ouais non, c'est un peu pourri. Prends le shoot, ça rentre, ça va. Appel de passe ignoré, oui, bah mais merci Victor. Entre Frenchy, hein, c'est quand même pas cool. Ah, j'ai la gâchette qui tremble, tu vois, quand je suis en défense sur Doncic. Tente le coup. Oh non, j'ai fait une faute. Moins un. Des plus. Mais quel match de ouf. Allez, le numéro 42 qui rentre. Pour l'instant, les Mavericks qui ont toujours l'avantage. On fait un match pitoyable, mais c'est le début, hein. C'est normal, les débuts sont difficiles. C'est pas étonnant, on essaye de rester effectivement sur les adversaires, de bien marquer. Oh oui, j'ai récupéré. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai pas fait exprès. Je n'ai clairement pas fait exprès, les gars. Le 3 points, ça rentre pas en plus. Aïe, 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 la défense. La défense. Oh non, mais ça rentre, abusé, 13-8. Les Mavericks qui s'envolent le score. Bon, on va devoir jouer sérieux maintenant, les gars. On va devoir jouer sérieux. Vas-y. 3 points. Oh oui! Allez, j'étais en plein dedans pour moi. Donc j'ai réussi quelque chose là, une petite progression, vu que j'ai tenté les tirs à 3 points. Mais bon, comme je le disais, les tenter c'est une chose, les rentrer, c'en est une autre. Ah là là. Tant on se fait totalement défoncer, je pense que c'est un peu de ma faute. Je n'y suis pas pour rien. Allez, temps mort pour les Spurs. Parce que là, il comprend bien que ça commence à être la sauce. Je rappelle qu'on est dans le premier carton. Simulez jusqu'à votre entrée. Ah, ouais, en effet, là, on est sur le banc. Parce que le basket, vous le savez, hein, c'est un effort assez, assez brutal. Donc forcément, il y a beaucoup de changements. Deuxième carton. Alors, est-ce que je vais re-rentrer vu ma performance? Je suis pas sûr, hein. Ça simule, très très bien. Ah, je me rappelais pas de ça dans les... Ouais, je me rappelais pas de ça dans les autres modes de ma carrière que j'avais entamé. Putain, D+, on a marqué seulement 2 points, on a pris un rebond. Franchement, c'est pas ouf, hein. Je joue comme un pied. Non! Oh, mais ils mettent tout en plus. Ah non, mais la difficulté, là, je pense qu'elle est trop haute. On va devoir revoir ça, les gars. Là, il y a un truc qui va pas. Allez, tente le coup. La petite feinte, t'as compris. Allez, fais tourner un peu la balle. On shoot. C'est pas possible, hein. Pourtant, il y avait du bon mouvement, là, mais... Mais non, ça ne veut pas. Oh non. Il prend le 3 points encore. Allez, bien. C'est parti. On y va, les gars. Ça fonce. Ouais, compliqué. Je prends le shoot, normal. Oui, voilà. Le comeback, tir réussi. Bon, je pense qu'on va arrêter de chercher, tu vois, les points. Forcément, les 3 points, on va rester peut-être sur du tir à mi-distance. Que je fasse gaffe, pas faire de faute. Yes. Vas-y, mon gars. Oui. Tu l'as vu? Nickel. La passe D. Ça, c'est bien joué, ça remonte. On passe en note C. Alors je suis conscient hein, que c'est pas hyper intéressant de voir un mec totalement débutant jouer à un jeu de basket. Ah bah d'accord. Il y a eu un petit souci et c'est ma faute en plus. C'était marqué que j'ai quitté mon poste. Ah bah oui, super. Super les gars, vas-y. La passe était risquée mais ça reste bien. Vas-y. Attends. Oh! Oh! Éclair de génie! Mais attendez, c'est quoi ça? Oh, quoi? Il s'est passé quoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Vas-y. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé là. Il y a eu un affichage. Dites-moi en commentaire si vous savez. Mais moi, il me semble que j'ai tiré dans le verre en plus. C'est ça le pire. 29 à 22. Ah, ça pique. Hein. En tout cas, 4 points. Une passe D. On n'a pas été totalement nul non plus. Oh, le dribble, c'était stylé. Oui.
Let's go! Allez, c'est plus! C'est bien, ça monte. On est en défense. Après, bon, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, hein. Dans le sens où, bon, sauf ceux qui savent vraiment très très bien jouer au jeu. Mais sinon, quand on démarre comme ça une carrière, bon, on a vraiment des notes nulles à chier. Allez, maintenant. Ça rentre pas, mais il y a faute, je pense. Provocation de faute. J'ai un petit lancer franc. Ah, j'ai un lancer franc. Comment ça marche? Pas comme ça. C'est pas possible. J'ai un lancer franc dans le match et je le foire. Ah non, j'en ai deux. Allez, maintenant tu le rentres, hein, ce coup-ci. T'es bleu, mon gars, t'es bleu. Oh là là, mais c'est pas possible. Je préfère. Merci Victor. Tu rattrapes un peu mon coup là. Allez, la note de C. Oh mais vas-y, non mais je voulais juste le toucher. Oui, voilà. Ça m'a toujours rendu vénère parce que moi, à chaque fois que je joue à un jeu de basket, j'arrête pas comme ça de vouloir leur récupérer le ballon et forcément, quand t'abuses un peu trop, tu fais faute. Attention, il prend le shoot. Ça rentre pas heureusement. Allez, on a un peu de réussite. Peut-être qu'on peut, les amis, revenir. Le petit dribble. Allez mon gars. Victor, oui. Bien joué avec l'aide du cadre. Allez, on est reparti. Luka Doncic, on a combien? 29-29. Et oui, on revient les gars. Oh bien, 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 bien. Allez go. La passe lointaine. Jones. Tu m'as vu? Oh, c'était... Ça aurait été bien dans la profondeur là. Victor. Qui tente. Ça rentre pas par contre. Victor, là tu t'es un peu précipité je pense. Je pense qu'on va mettre Victor en miniature. Hein. Ouh, joli. Là j'avoue, alors j'avais commencé aussi une série, il me semble, sur un jeu de NBA Street. Homme court, il me semble, qui était très très stylé. Mais pour le coup là, c'est vraiment beaucoup plus réaliste. Pas mal. Oh là là, mais c'est pas vrai. Non, c'est vraiment qu'on a des notes pas terribles, hein, c'est sûr. Parce que normalement, ça passe. Oh, le pas en arrière qui était magnifique. Oh, ça a un nom, hein. Je sais que ça a un nom, mais encore une fois, je le rappelle, je suis pas expert. Allez. Apparemment, il y en a un qui est en feu là-bas. Attends. Fais un peu tourner. Eh, mec. Vas-y. Oui, good. Good timing. C'est ce qu'on veut, c'est plus. Bon, on n'aura pas le rambé, hein. Pas rêvé non plus, il tente de loin. Et pour l'instant, c'est les Mavericks qui sont devant, mais seulement 2 points d'avance. Est-ce qu'on va réussir, mesdames, messieurs, à recoller au score? En tout cas, on n'est pas loin. Première semaine. Alors moi, j'aimerais bien, tu vois, dites-moi, il est gigantesque, Victor. Moi, ce que j'aimerais bien un jour, je suis tout petit à côté. Ce que j'aimerais bien un jour, c'est avoir une VF dans NBA 2K. Je sais que beaucoup vont m'insulter parce que l'ambiance NBA, voilà, c'est ça, c'est vraiment ancré, mais honnêtement, comme FIFA, comme n'importe quel jeu, moi, c'est vrai que ça me dirait bien. Mettons le show. Oh, Shaki! Alors, est-ce qu'on peut passer éventuellement ça? Ouais, on peut le passer, mais c'est sympa. On parle de moi. 6 points, ok, c'est pas terrible, voilà, on a compris. 3 passes D, voilà. Et on a le petit replay, tu vois, des points qu'on a marqués, des actions qu'on a effectuées. Et c'est reparti. Allez, mon Galaxy, essaye de faire mieux hein, dans la seconde mi-temps. 6 points au compteur. Allez, on bloque un peu Luka Doncic qui est en feu apparemment, je sais pas ce que ça veut dire. Oh là là, mais laissez-le pas tout seul. Sans rire. Je tente de passer, je peux ou pas? Eh ben non. Allez, ça bouge. Je tente quelque chose, j'ai du mal. Victor qui prend le shoot. C'est bien Victor, et une nouvelle passe D. C'est bien ça, tu vois, le petit duo de français là, qui fait plaisir. Je savais en plus. J'ai essayé de sauter pour le contre. Allez, il est parti maintenant. Je déborde. Enfin, j'ai tenté. Tenter de déborder, ça n'a pas fonctionné. Victor encore, oui. Il est incroyable. Il est incroyable, 36-36, ça y est. On est remonté. Attention. Irving. Alors, moi j'ai défendu. J'ai bien fait. Hop là, accélération.
Ah, ils sont deux. On va pas trop forcer non plus. Allez, ça passe vraiment maintenant. Tentative de 3 points. Mal joué. Je veux tenter des choses, mais c'est pas ouf. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est... J'ai vu qu'il fallait faire deux fois triangle, parce que je suis allé à l'entraînement. Oui, je sais, c'est étonnant tellement je joue mal. Mais je suis allé à l'entraînement, les amis, avant de lancer. Et il me semble bien qu'on peut tenter de faire deux fois triangle. C'est pas ça que je voulais. De faire deux fois triangle, tu vois, quand t'es en face de l'arceau pour faire rebondir. Ça rentre pas, mais il y a lancé franc, il me semble. Pour faire rebondir, et après, tu rentres le panier. Les Mavericks, deux lancers francs. Ça rentre pour le premier, 40-36. L'écart commence à devenir un petit peu dangereux. Kyrie Irving qui rentre ce premier lancer franc. Et bien sûr, il rentre le second. Aïe, 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 aïe. Allez, on va essayer de faire mieux les amis. C'est bête parce que là on n'avait pas tant de différence que ça. Il n'y aura pas tellement de percées hein, parce que j'ai vraiment un joueur qui est faible, hein, c'est terrible. Allez, feu tomber de ce côté. Oh oui mon gars, merci. Dommage. Provocation de faute. Nouveau lancer franc. Eh oui mon Lucas. Allez maintenant. C'est bien là. Allez, c'était bien au niveau de la jauge. Oh. J'essaie de faire au mieux, mais là j'ai l'impression qu'il faut vraiment être pile poil dans le vert, quoi. C'est terrible, j'ai un joueur nul. Allez mon gars. Nouvelle tentative. Oh là là. Oui, ah bah quand même. Quand même. Allez, 7 points au compteur. Pour Galax. Ah putain, c'est à moi de le couvrir. Ça va. Je récupère le rebond en plus. Allez mon gars. On va y arriver. Oui, tout seul. 41-39. Bon allez maintenant, je reste concentré. Troisième carton, je le rappelle. J'ai programmé normalement des cartons de combien, 4 minutes. Oh non, c'est à moi aussi de couvrir. Là, c'est ma faute. Rupture défensive. Allez, Victor Wembanyama qui envoie sur Galax. On fait tourner. Peut-être que je bouge plus. Ah, il me semble qu'il y avait les passes aussi comme ça, voilà. Tu vois, on pouvait faire le petit rebond. Ça rentre pas, mais je pense qu'il y a une nouvelle faute. J'ai pas fait un dunk depuis le début. Ce sera cool. Alors, ça me sert pas à grand chose de faire ce genre de truc parce que. Oh! Ah, le timing était bon là. Le timing dans le vert, tu vois, il y a un petit rond vert sur l'arceau. Putain, je me rappelle plus du nom du cadre là. C'est terrible, hein, je sais pas pourquoi. Allez, on voit. Deuxième lancer franc. Et confiance. Eh non. Aïe aïe aïe. Bon, j'en ai bien un sur deux, c'est déjà pas mal. C'est mieux qu'au début. Attention, ça rentre pas, ça rentre pas, ça rentre pas. Dis-moi que ça rentre pas. C'est bien. Appel ignoré. Ouais, ouais, j'ai remarqué. Hop là. On essaie de percer. La faute ? De qui ? La faute de qui ? Match à venir. Versus Nets, Grizzly, Nuggets. J'aime les Nuggets. Chaque année. Ah putain. Non. Comment ça, faute? Je vais juste sauter dessus. C'est rien. 43-40 et on va encore avoir 5 points de retard. On va pas y arriver. Hein. En plus, il restera très peu de temps après, avant la fin du match. Eh oui, 45-40. Allez, Glax. Alors, la jauge jaune, ça correspond à quoi à la... Est-ce que c'est l'endurance? Est-ce que c'est la forme? Il y a moyen, hein. Oh, il est passé! Oh, c'est magnifique! Oh, c'est la plus belle action! Le double pas! Là, j'avoue, il y a eu quelque chose. J'ai fait un petit dribble. Ça, c'est le seul vrai panier depuis le début que je rentre. Alors que je me disais, je commençais à être un peu fatigué en termes d'énergie. Allez, on y va. Faut y aller, faut y aller. Oui, je prends le shoot. Oh là là, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est pas le jeu qui est nul, hein, c'est moi, je précise. Ouais, il est tout seul au monde, là. Il est seul au monde, 47-42, le temps mort. Pour les Spurs, hein, je suppose, parce que bien sûr, c'est eux qui sont un petit peu dans la panade. En attendant quelques animations, Gangnam Style. Ah non, c'est pas ça.
Allez, passons. Oup, oup. Simuler jusqu'à l'entrée. Ah oui, bah du coup, peut-être qu'on va plus rentrer jusqu'à la fin du match. Hein. Ce sera terrible. Allez, dis-moi que je rentre au moins dans le quatrième carton. Sois cool. 47-45. Et tu vois, quand je sors, ça remonte un petit peu. Eh oui. Et les Spurs qui prennent davantage. Faut plus que je rentre. Arrêtez de me faire rentrer. Allez, quatrième carton. Enfin, je vais rentrer. Yes. Merci, coach. Allez, quatrième carton, il reste 2 minutes 43 au compteur. Et les Mavericks, on le voit, vont reprendre l'avantage. Alors, si vous vouliez gagner le match, il fallait pas me faire rentrer, les gars. Quoique, allez, Victor Vagalax, le duo français magnifique. Ah, j'aurais pu aller au bout, là, en vrai. Oh là là, j'ai tenté, mais je me suis fait contrer. Arrêtez tout. Attends, mais je suis où? Wow. 59-58, un point de retard. Bon, c'est le money time, les gars. C'est le money time, là. Allez. Je peux pas y aller. Je peux pas y aller, ça passe pas. C'est terrible. Ouais, ça rentre pas. Vas-y, mon gars. Prends le shoot. Allez. Aïe, 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 on est mauvais, qu'est-ce que tu veux? Ah bah, tout seul. Ah bah, d'accord. Allez, salut. C'était les Spurs de San Antonio. Allez. J'ai beau tenter, hein. Et prends le shoot. Oh là là, mais tu le rates tout, mec. On est cuit. On est totalement cuit. Allez, pourquoi pas, 63-58, je t'ai dit, arrête de me faire rentrer. Laissez-moi dehors. Alors, comment j'ai réussi tout à l'heure à faire ça? Je sais pas comment j'ai réussi à passer, mais... Ah, je passe en B- quand même. Ah, c'est mieux. Il y va. Oui, ça rentre. 63-60, on a 3 points. T'as imagine, je rentre un 3 points. J'ai pas réussi à en mettre un depuis le début, il me semble. Ce serait cool, hein, vraiment, avant la fin du match. Je trouve mon perso un petit peu lourd, par contre. Hein. C'est bien. Je prends le rebond en plus. Ça me fait monter un peu en note. Ah, je repasse en C+. Mais pourquoi? Là-bas. La bonne passe. Le 3 points. Allez. Ça rentrera jamais. Bah écoutez, j'ai voulu essayer. Crise d'adresse. Je suis pas en crise. J'aurais essayé, mais... Oh! J'aurais pu le contrer, j'étais pas loin. C'est chiant. J'aurais tenté, hein. D'accord, Victor. Mais pourquoi, Victor? Déjà qu'on a 5 points de retard, t'abuses? Il y a eu faute. Faute volontaire, hein, je pense, j'ai l'impression. Allez, mais écoutez, à peine 27 secondes dans le temps réglementaire. On a essayé d'intercepter. On n'a pas réussi, bien sûr. Oh là là. Ouais, ça n'arrête pas de faire des fautes pour arrêter le jeu, mais forcément, ça provoque des lancers francs. Et on va prendre encore plus de points dans la tronche. 66-60. Dur, hein. Vraiment dur, dur. Et le temps mort des Spurs. Allez, ça danse, ça danse. Hop là. Il y avait une histoire comme quoi avant, il me semble, il y avait, c'est le truc des pop-up girls, il y avait que des filles, maintenant il y a aussi des garçons, si je ne m'abuse. 3 points. Non mais les mecs, au bout d'un moment, faut se mettre en question, quoi. Oh bah oui, bah moi aussi. mon dieu, les amis. Allez, donne-moi ce ballon. Et c'est terminé la défaite, mesdames, messieurs des Spurs, 67-60. Il n'y a pas eu photo, hein. Il n'y a pas eu photo parce que dès que je suis rentré en jeu, on perdait beaucoup de points. Non, en tout cas, c'était cool. Vraiment, c'était cool. Je sais pas jouer, mais c'est très très cool. Le jeu est beau, il y a de l'ambiance. Sincèrement, c'est toujours une très très bonne simulation, sans aucun doute. Et il me semble, alors, à vérifier, mais il me semble bien que les matchs sont en 60 images secondes. Je suis même pas sûr. Margalax, ah oui, un petit replay de ma performance incroyable.
Ah, en plus, c'est un ingénieur du son? Non, j'ai cru qu'il avait réglé les commandes. Alors, prestation, 10 points, 3 rebonds. Ouais. C'est plus. Eh ben, c'est pas foufou, mon ami. Donc là, on monte au okay, en point. Ouais, meilleure progression d'un signe. Lapin, altruiste. Tu me parles chinois, mais ok. Total. Ah oui, il y a le nombre de fans aussi. Fan NBA, locaux, pop culture, fan business. D'accord, entente de l'équipe, 38%. Progression GOAT. Joueur suivant, Wembanyama. Thank y'all, thank y'all. Wow, listen. I do my best to get to everybody, but we're going to try to do this in an orderly fashion, all right? Why don't we start right over here? Lisa Sims, Daily Horn. MP, you came into the league heralded as the best player of your generation, but you really struggled tonight. Were you feeling the weight of expectations? Was it first game jitters or maybe something else? Ah, il y a des choix de dialogue. Ah, c'est vrai que c'était dur ce soir. Hein. Je me demande si on gère bien le match, si on a une note de A ou S, je sais pas jusqu'où on peut monter. Est-ce qu'on a la même cinématique? Mais est-ce qu'on peut réussir le premier match? There were some jitters, but that's no big deal. Everyone gets nervous from time to time. You just gotta learn how to deal with it. Bottom line, I wasn't good tonight. But it's just one game. Once I get my feet wet, I'll start making the kind of difference everyone expects me to make. Thank you. Next question. Right over here. Nina Becker hier, Sportbild, monatlich. Bist du sehr enttäuscht, dass du dein erstes NBA-Spiel verloren hast? Du weißt, du hast Fans auf der ganzen Welt, die dich anfeuern. Nina Becker, Sport Monthly. Are you disappointed in losing your first NBA game, knowing that you have fans watching all around the world? Ah, ça, en effet, je pense que la question serait différente si on avait gagné. Perdre, c'est toujours rageant, c'est pas marrant de se planter devant des millions. Bah oui. It's always disappointing to lose. But it's just one game, and as far as fans watching from around the world goes, hey, I've been playing in front of global audiences for a few years now, so that's nothing new. Shouts out to Germany, though, Danke. And winning is always the goal, no matter who I'm playing in front of. And losing, like I said, is always disappointing. Thank you. All right, who's next? In the back. Damian Patterson, City Free Press. What does it mean to you to be a third generation NBA player, following in the footsteps of your father Prince and grandfather Chuck? Mon grand-père s'appelait Camion. D'accord. Je joue pour le nom qui est devant le maillot, pas au dos. It means a lot. Yeah. You gotta respect where you come from, and I come from a line of guys who got basketball in their blood. But the most important thing to me right now is representing these fans and the city and bringing them the championship they deserve. As much as I love my dad and miss my grandpa, I play for the name on the front of the jersey, not on the back. Thank you. Next question. Right up front. Parfait, merci. Béatrice Corbet, La Compétition. Votre maillot est le maillot le plus vendu en France en ce moment. Avez-vous un message pour vos fans français? Béatrice Corbet, The Competition. Your jersey is the number one selling jersey in France at the moment. Do you have any message for your French fans? Eh bien voilà, moi qui demandais une VF. On a un petit morceau. J'adore la France, j'espère y retourner. J'aime la France. Oui, actually. J'aime la France. Oh, très bien, vous parlez français. What did she say? She asked if you speak French. Oh, well, there's your answer. Listen, they told me a few days ago who'd be here, so I practiced some stuff in different languages, but unfortunately, no, I don't speak French, as you guessed it. But maybe one day, though, it's a beautiful country, beautiful people, beautiful language, and hey, merci. Thank y'all. Thank you very much. Thank you. I'll see you next time. Thank you. Just one more. Proud of you, MP. What? They got locked down out there. What up, Tom? Aw, man, one game doesn't define you. Even if you did blow it. So now I gotta sit and watch tape with you just to show you all the stuff I did do right? Come on, Papa thought you knew ball. You see, I knew you weren't that upset. Look, you're right. Just
just one game. It's just one game. Lucky you got me here to give you some perspective. Hey, I appreciate it, Pop. You here to keep me on track? Uh-huh, and you know what the goal is. Greatness. That's right. Oh, speaking of, you know who this guy is. Yeah, what about him? He just updated his all-time GOAT list. Says that you have a chance to make it to the top someday. For real? Mm-hmm. Take a look. So with all this talk about MP being the best prospect since LeBron James and Victor Wembanyama being a generational talent, it got me thinking about my all-time GOAT list. Now, if you are new to the pod, you might not know that I have a passion for ranking the legends. I've spent a massive amount of time researching their careers, and I placed them into five tiers of greatness. You can find that list on my website, by the way. Now, I love working on my GOAT list, but these guys are so legendary that they tend to stay in the same spot year after year. So I decided to add a new tier called the Got Next tier. This tier contains some of the younger guys in the league who aren't quite GOATs yet, but who, if they continue on their current trajectories, will almost certainly be in that discussion when their careers are over. Now, you may be wondering who's in the Got Next tier, so let's get to it. These are in order, by the way. Luka, Embiid, Tatum, Zion, Wembanyama, and of course, MP. Now, a lot of you might be like, you know, I put MP behind Wembanyama, but they're basically tied. If, you know, as I see it. And if MP distinguishes himself early on, I'll be happy to swap him with Vic. So, let me know. What do you think? Is there anyone who should be on the Got Next tier but isn't? Is there anyone who is there but shouldn't be? Hit me up on social. We'll talk about it. These are the kind of people you want on your side if they're going to call you the ghost someday. Oh, come on, Pop. Media doesn't matter. It's all about winning games. Yeah, you're wrong. You need to understand how these people see you. I wish I would have played the game when I was your age. Look, all due respect, Pop, I'm not like you. I'm not gonna make the same mistakes you did. I spent the best years of my career in losing situations because winning organizations didn't see me as someone who had their head screwed on tight. Because you didn't, though. Not at first, okay? But when I was with Dallas, they gave me a shot. Could have been sooner if I had played the game. All right. Son, you're trying to do something that nobody's ever done before. And when you do it, believe me, you will do it. There's gonna be no question who the GOAT is. Le papa a un petit air de Tony Parker. Alors entrez dans le débat sur le GOAT via le classement de Logan Bradley. Ok. Ah, niveau 1, Michael Jordan. Regardez Kobe Bryant en 3ème position. 2ème, c'est LeBron James. Il y a beaucoup d'anciens au niveau 2, dont Shaquille O'Neal. Magic. Ok, Bird, Duncan, ouais, j'en reconnais quelques-uns. Niveau 3, ok, face aux joueurs actuels, en passe de devenir des légendes. Stephen Curry et plein d'autres. Durant, Garnett. Ok, Kobe Bryant, recherchez l'inspiration chez les meilleurs tout en faisant vos preuves sur le parquet. Et soyez informé de votre progression dans son podcast pour une analyse détaillée de votre place dans le panthéon du basket. C'est intéressant, ça. Ok. Quête secondaire. Eh mais carrément, des quêtes principales, des quêtes secondaires, t'as l'impression d'être dans un RPG. Eh bien écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Là, on va aller jouer le prochain match. On va pas aller plus loin parce qu'après la vidéo sera bien trop longue. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Eh Victor, je t'ai reconnu. Bah c'est le plus grand, hein. J'ai été extrêmement mauvais, vraiment j'ai très mal joué, mais en tout cas je me suis régalé. Merci à tous d'avoir suivi cette découverte. Qu'est-ce que tu me veux toi l'ancien? On se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles découvertes et aventures sur la chaîne. Préparez-vous vraiment parce que la semaine prochaine, ça va être juste fou. Il y a tellement de jeux qui arrivent, il y aura plusieurs vidéos par jour. Le week-end sera sûrement plus calme. Je ne sais pas d'ailleurs, hein, honnêtement, si je posterai une autre vidéo sur NBA 2K. Je suis déjà très content de faire cette découverte, parce que là, je vais avoir très peu de temps pour moi ce week-end. Je vais tourner plein de choses pour le début de semaine. Il y aura de la preview, il y a de nouvelles séries, bref. Merci encore à tous. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines aventures et découvertes sur la chaîne. A très bientôt. Ciao, ciao.